Moi j'étais ancien boxeur, j'ai commencé la boxe en 1949, j'avais 14 ans, et j'ai boxé jusqu'à 18 ans, 19 ans, que je suis parti donc, sur Paris travailler. Voilà. Et après bon, j'ai fait la salle en 1964, parce que l'ancien entraîneur, M. Demey, était malade, donc on est venu me chercher pour entraîner. Donc petit à petit, donc, après les décédés, j'ai passé les examens, et après bah, je suis resté. Quoi. On va beaucoup dans les quartiers difficiles. Hein, bon, donc on essaye. Enfin, moi je dis quartier difficile. Moi j'ai vu que les boxeurs, c'est pas difficile. Les boxeurs, si on a leur niveau de jeu, nous on a automatiquement essayé de dire ça. Hein, donc il n'y a pas de problème. Mais enfin bon, on peut appeler ça comme ça. Mais je préfère que les jeunes ils soient à la salle que dehors. Et donc, je suis quand même éducateur. Hein, j'ai le brevet d'éducateur. Et donc, je parle beaucoup avec eux, je parle jeune, hein, automatiquement. Donc, avec les jeunes, on s'entend bien. Quoi que même qu'ils vous voient, ils m'appellent monsieur. Mais ça n'empêche pas que le respect est là, et ça n'empêche pas que, disons, que les gamins, ils écoutent bien. Il y a pas, moi, j'ai aucun problème avec les gamins. Aucun problème. On est bien épaulés, en ce moment, on est 5 entraîneurs. Comme Châtellerault, 5 entraîneurs bénévoles. Attention, hein, c'est pas personne payé, rien du tout. Hein. Moi je suis bénévole depuis 64. Et vous en avez eu des bons chez vous, hein? Oui, ça commençait disons en 68-69, j'ai eu Laga qui était bon, j'ai eu Tessier, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu Salmeron. Abdelkarzazi. Abdelkarzazi est venu vers 68-69. Il était champion de France celui-là? Oui, il était les deux fois champion de France, international et au moins une vingtaine de fois. Il a fait au moins 4-5 championnats de France. Hein. 75-76, champion de France plume. Et en 76-77, il était champion de France poids léger. Puis après, vous avez son fils. Après, j'ai eu le fils. Bah, disons qu'il y a eu pas mal quand était deuxième, deux générations. Hein. Donc, il y a eu donc Carvazi, il y a eu Moti. Qui a été champion de France. Qui a été champion de France professionnel, pas amateur, mais champion de France professionnel. 5 fois champion de France professionnel. Et aujourd'hui, je dois avoir encore des gars qui sont encore deuxième génération. Et puis vous avez eu aussi Monchipour. J'ai eu Monchipour, là j'ai eu le retour. Le retour de Monchipour. Bon, à l'époque, il avait besoin d'un entraîneur sur Châtellerault, donc il avait gardé quand même Benama. Et donc, disons, mais par contre, je suis sur la licence comme entraîneur. Ça fait toujours plaisir. Yeah, don't do it, don't do it, don't do it.